Bonjour mes amis, et on continue notre étude de l'Évangile de Luc. On est au chapitre 18 et on va voir un autre texte qui a fait couler de l'encre, je dirais, et qui des fois induit en erreur à cause que on prend pas le temps de vraiment s'arrêter. On laisse les principes ou les concepts ou les pensées humaines, sociales dans lesquelles on est, puis on les rentre dans la Bible. Il ne faut pas faire ça. On va regarder ce que Jésus est en train de dire à ses disciples. Notre bon Père du ciel, on ne veut pas inventer, on ne veut pas imposer nos pensées au texte. On veut juste que tu nous dises qu'est-ce que toi tu voulais nous dire. Et nous reconnaissons humblement qu'on a besoin de ton aide, de ton Esprit Saint pour bien comprendre les Écritures. Au nom de Jésus. Amen. On est dans Matthieu 18, dans cette portion de l'Évangile où ce que Jésus monte à Jézin pour mourir. Vous allez peut-être penser, François, vas-tu arrêter de nous le dire? Non, jusqu'à temps qu'on soit dans une autre portion. Parce que c'est tellement important. Et pour vous, que vous compreniez, peut-être que vous ne serez pas d'accord, peut-être que vous n'allez pas penser tout comme moi, mais vous allez comprendre mieux pourquoi je prends cette position-là, parce que dans le grand contexte de la portion du chapitre 10 à 21, Jésus est en train de monter à Jérusalem, et tout est teinté, tous les textes, comme M. Carson disait, tous les textes sont à l'ombre de la croix, sont influencés par le fait que Jésus va mourir à la croix. Si on oublie ça, on va faire dire au texte toutes sortes de choses que l'auteur n'avait pas l'intention. Jésus va s'adresser à ses disciples. Il va les reprendre. Jésus n'était pas le genre de personne qui laissait passer. Il a repris ses disciples à plusieurs reprises. Et on va voir ici pourquoi il les reprend, à quelle occasion, et qu'est-ce qu'il va faire. Qu'est-ce qu'il va leur enseigner? Lisons à partir du verset 15 jusqu'au verset 17. On lui amena aussi les petits-enfants, afin qu'il les touchât. Mais les disciples, voyant cela, reprenaient ceux qui les amenaient. Et Jésus les appela et dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants, et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité. Quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » À partir de ces textes-là, plusieurs se sont formés une philosophie ou une pensée à ce qui concerne les enfants. Plusieurs ont pris ces textes-là pour dire, « Ah, tu vois-tu, c'est, les enfants vont tout au ciel. » Jésus dit, « C'est comme si on est comme les enfants qu'on va rentrer. » Faisons attention. Est-ce que Jésus est-tu en train de nous dire que tous les enfants maintenant sont saints, sont parfaits, c'est des petits anges? Je ne crois pas que c'est le but du texte. Il faut bien comprendre. Rappelons-nous le contexte, là. Jésus va reprendre ses disciples parce qu'ils ont une mauvaise compréhension de quelque chose, là. Il les reprend. Il faut comprendre, mes chers amis, je l'ai dit, je le répète, on est dans les évangiles. Les apôtres ne comprennent pas, on va le voir dans les textes, dans les jours qui viennent, ils ne comprennent pas que Jésus va mourir et ressusciter. Ils ne comprennent pas, ils ne veulent pas. Il ne faut pas penser maintenant que les disciples, c'est des chrétiens comme on l'entend aujourd'hui. Ils vont avoir besoin, à quelques reprises dans Luc, puis quelques besoins que Jésus souffre et qu'il les fasse comprendre parce qu'ils sont complètement dans l'erreur. On va le voir s'en aller. Donc, à un moment donné dans le ministère de Jésus, pendant qu'il monte à Jérusalem, on lui amena aussi les petits-enfants afin qu'il les touche. Faisons attention de ne pas
mettre là-dedans là, le baptême des enfants, puis les dédicaces d'enfants quand ils sont petits dans nos églises. Puis il ne faut pas y voir maintenant que si on touche quelqu'un, si ça transmet je ne sais pas quoi. On emmène à Jésus donc, c'est des petits-enfants. Le terme dans le texte original, c'est vraiment des enfants très jeunes, 1 an, 2 ans, peut-être qu'ils sont portés par les bras des parents, ou ils sont tout jeunes, tout petits. Le mot ici, petit-enfant, et le mot petit-enfant dans le verset 16, sont différents. Ceux du verset 1, du verset 15, sont le terme, ce que j'ai pu lire, parce que je ne suis pas un spécialiste des langues, ce que j'ai pu lire de ceux qui sont les spécialistes, c'est encore plus jeune que ce que Jésus dit dans le verset 16. Jésus va mettre le petit-enfant plus large. Le terme qu'il emploie dans le grec est plus large, donc ça peut aller jusqu'à 2, 3, 4 ans, 5 ans. Plus jeune. Mais non, c'est plus petit. C'est quasiment, il y en a qui disent que c'est quasiment des enfants qui ne marchent peut-être même pas encore. Mais peu importe, ça n'a pas vraiment d'importance. On parle de petits-enfants, jeunes enfants. Il y en a qui disent nourrissons. Donc, c'est les parents qui emmènent leurs enfants puis veulent que Jésus les touche. C'est ça. Ces hommes-là, ces femmes-là, ces parents-là voient en Jésus un grand maître, un prophète, quelqu'un qui est de Dieu, qui fait du bien, qui fait des miracles, qui enseigne. Donc, c'est une façon de les emmener voir ce grand personnage-là. Ça ne veut pas dire maintenant qu'ils comprennent tout, puis qu'ils croient que Jésus va mourir, puis qu'il va ressusciter, puis qu'ils comprennent qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu incarné. Ils ne comprennent pas tout ça, là. Mais c'était une coutume d'emmener voir. D'emmener voir les enfants, la personne la plus importante de leur histoire. Ils veulent que Jésus leur fasse du bien. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas penser que leur intention est toute bonne. Mais Jésus va se servir de la situation. Parce que pendant qu'on emmène les enfants pour qu'ils soient touchés par lui, ses disciples, eux autres, frustration. Voyant cela, ils se sont mis à reprendre les parents. Ils se sont mis à repousser les parents. Ils se sont mis à dire, arrêtez de déranger le maître. Arrêtez de vouloir amener vos enfants, vous dérangez son enseignement, vous dérangez son ministère, il y a des choses plus importantes à faire que ces enfants-là. Jésus se sert du moment, comme il faisait si souvent, se sert du moment pour instruire ses disciples, les apprendre quelque chose. Donc les enfants deviennent une leçon de choses. Jésus les appela. Est-ce qu'il appelle les parents avec les enfants ou juste les enfants? Et il dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Donc, les disciples les repoussent. Jésus dit, laissez-les venir à moi. Pourquoi demande-t-il aux petits-enfants de venir vers lui? Là, il s'en sert comme leçon de choses pour instruire ses disciples. Dit, ne les empêche pas de venir à moi, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Maintenant, est-ce que je pourrais déduire de cela que tous les enfants à bas âge vont aller au ciel, mais qui meurent? Hein? Le gros qui ont pensé ça, il y a bien des religions qui pensent ça. Et on a fait l'âge de raison plus vieux, vers 6-7 ans. Il faut ressembler à des enfants. Ceux qui vont ressembler à des enfants vont voir le royaume de Dieu. Vont avoir le royaume de Dieu. Là, il le répète au verset 17. Je vous le dis, en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un enfant n'y rentrera pas. Voilà. Voilà. Là, c'est là le clou. C'est là la vérité, mes amis. Ne manquez pas là. Qu'est-ce qu'il dit? Il ne dit pas ceux qui vont être bons comme les enfants vont mériter le royaume de Dieu. Il ne dit pas ceux qui sont saints,
ou ceux qui sont justes, ou ceux qui sont bons, comme les petits-enfants, les autres, ils vont avoir le royaume de Dieu. Non, c'est pas ça qu'il dit. Le mot important, c'est recevoir. Il dit, il faut recevoir le royaume de Dieu comme les enfants le reçoivent. Je me suis posé la question, vous pouvez la poser peut-être, vous autres aussi, mais qu'est-ce qui en sert, vous autres, du royaume de Dieu, les enfants d'un an ou deux ans? Qu'est-ce qu'ils comprennent? Si on avait arrêté et on allait demander aux enfants, là, « Hey, mon enfant, mon petit gars, là, ma petite fille de deux ans, là, d'un an et demi, deux ans, trois ans, c'est quoi le royaume de Dieu pour toi? Est-ce que toi, tu veux aller au royaume de Dieu? » Je suis pas sûr qu'il aurait compris comme il faut. C'est quoi le royaume de Dieu? Je crois pas qu'il voyait en Jésus le grand roi des Juifs qui va maintenant régner sur eux, qui vont être ses serviteurs. Non, non, ils n'ont pas une compréhension très grande du royaume de Dieu. C'est de recevoir. Ici, les parents emmènent les enfants à Jésus. Puis les autres, si je pourrais dire ça comme ça, ils embrassent Jésus. Ils se laissent conduire à Jésus. Quand Jésus les appelle, ils viennent tout de suite, ils reçoivent le royaume de Dieu. Dans notre contexte, le royaume de Dieu, c'est Jésus, là. C'est Jésus, le royaume de Dieu, ici, là. Si je reçois Jésus, je reçois le royaume de Dieu. Je ne peux pas recevoir le royaume de Dieu sans recevoir Jésus. Et si je reçois Jésus, je reçois le royaume de Dieu. C'est l'attitude de ces enfants, c'est qu'ils se laissent conduire par les parents vers Jésus, et ils y vont. Et quand Jésus les appelle, ils viennent vers lui. Il dit, si vous devez recevoir le royaume de Dieu comme les enfants me reçoivent. Vous devez. Les enfants, quand tu veux leur donner quelque chose, ben, ils vont le recevoir. Il faut recevoir avec une attitude enfantine ou enfantine le royaume de Dieu. Il ne faut pas être bon comme les enfants. Il faut ressembler aux enfants qui, de par leur nature, vont recevoir ce qu'on leur offre. Hein, on fait attention à ce qu'on donne aux enfants, parce que dans leur comportement, ils vont le prendre, ils vont se le mettre dans la bouche dessus. Ils ne sauront pas qu'est-ce que tu leur donnes. Si tu leur donnes quelque chose de pas bon pour la santé, ils vont se le mettre dans la bouche, pour ça, ils vont peut-être faire la grimace après. Mais quand on leur donne quelque chose, ils ont tendance à le prendre et le mettre dans leur bouche. Ils reçoivent. Il dit, vous devez recevoir le royaume de Dieu comme des enfants. Ce n'est pas quelque chose que tu mérites. Ce n'est pas quelque chose que tu peux gagner par ta vie ou par ta pratique religieuse. C'est quelque chose que tu dois recevoir, qu'on te donne. Au contraire d'Israël, Israël n'a pas reçu le Messie. Israël même rejette le Messie. Israël ne veut pas recevoir le royaume de Dieu, veut gagner le royaume de Dieu, veut mériter ce royaume de Dieu. Comme on a vu hier, ils croient qu'ils sont justes et qu'ils vont pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Ils le méritent. On va voir demain l'histoire de l'homme riche. Du chef de synagogue, qui lui dit, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle, pour avoir le royaume de Dieu? Jésus dit, ce que tu dois faire? Rien. Viens, suis-moi, je vais te le donner. Il n'a pas voulu. Il n'a pas reçu, il ne recevra pas. On va le voir demain, le royaume de Dieu. Jésus nous dit, si recevez le royaume de Dieu comme les enfants ont tendance à recevoir ce qu'on lui donne. Laissez-vous conduire par quelqu'un vers Jésus. Répondez à l'appel de Jésus quand il vous invite à venir à lui. Venez à moi, je vais vous donner le royaume de Dieu. Venez à moi, acceptez-moi comme Messie, vous allez être dans le royaume de Dieu. Nous, on a dit qu'il faut être bon comme les petits-enfants, il faut être humble comme les petits-enfants. C'est comme si les petits-enfants, notre société, et on pense que c'est tous des petits-anges. Là, c'est, tout le monde se pose la question, quand est-ce qu'ils passent de petits-anges à petits-diables? Quand est-ce qu'ils passent de pur et saint et petit-ange à pécheur?
Là, tous les mouvements religieux, toutes les personnes ont des différentes opinions là-dessus. Mais le texte ne parle pas de ça ici. Il reprend ses disciples. Il dit à ses disciples, l'attitude que vous avez là n'est pas bonne. Chers disciples, votre attitude me démontre que vous pensez, vous, que vous avez certains mérites à me suivre. C'est quoi ce que vous savez? Pourquoi vous les repoussez pas? Pensez-vous que vous êtes plus important qu'eux autres? Que eux? Pensez-vous que vous méritez peut-être? Qu'est-ce que pensez-vous que vous avez fait de quoi de spécial? Comme ces enfants-là, vous devez recevoir le royaume de Dieu. Tendez les mains et je vais vous le donner, le royaume de Dieu. Israël ne l'a pas fait. Et elle ne va pas entrer. Israël ne ressemble pas à des enfants. Et elle va être rejetée. Israël ne reçoit pas son Messie ou le royaume de Dieu. Et elle va être rejetée et n'y entrera pas. Oh, qu'il est important pour nous de bien comprendre ceci. Le point de cette histoire, de cet événement, ce n'est pas les enfants. C'est comment est-ce que je dois recevoir le royaume de Dieu? Je dois accepter de le recevoir et non pas essayer de faire des efforts pour l'avoir ou pour le gagner ou pour le mériter, quoi que ce soit comme ça. Notre bon Père du ciel, comme les enfants, nous recevons, nous avons reçu le Messie. Un Messie mourant, un Messie ressuscité, un Messie monté au ciel, un Messie qui revient. Nous recevons le royaume de Dieu comme tu nous l'as présenté. Nous l'acceptons tel que tu nous l'as décrit dans ta parole. Ô notre Dieu, merci que nous n'avons rien à faire autre que de recevoir. Mais nous montrons que nous recevons le royaume de Dieu quand nous recevons le roi que tu as envoyé, le Messie que tu as envoyé, pour régner sur ceux qui vont recevoir ce royaume. Au nom de Jésus, Amen.